Hello à tous! Alors ce week-end, on a reçu une jolie boîte de la part de la boutique Les Jolies Choses. Vous pouvez voir ça ici. Et c'est une boutique qui va être inaugurée le 7 avril, donc samedi prochain, de 15h30 à 19h. Et donc c'est un paquet au nom de Silly Gallieni et Le Quai que je vous propose d'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est notre ami Benjamin qui a fait ce joli papier. Benjamin, c'est le fondateur de la librairie Les Mots et les Choses. C'est une librairie qui est beaucoup appréciée par les Boulonnais. Et donc, qui ouvre sa deuxième boutique à Boulogne, pas très loin, rue Yves Kermen, au numéro 39. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, on a la carte, les jolies choses, boutique sympathique, papeterie, cadeau enfance, objet, donc rue Yves Kermen, et on a même une jolie lettre. Chers membres de Silly Gallieni et Le Quai, chère Bérangère, vous trouverez au sein de ce colis 6 objets qui font partie de l'assortiment que proposera la nouvelle boutique Les Jolies Choses à Boulogne, en complément de la librairie Les Mots et les Choses. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de ce que sera notre sélection, mais il fallait bien choisir. Quoi qu'il en soit, nous avons souhaité cette petite sélection chaleureuse, nouvelle et appétissante. Alors nous vous souhaitons une belle déballe et nous vous donnons rendez-vous dès ce samedi, donc 7 avril, de 15h à 19h, pour l'inauguration de la boutique. À très bientôt, Benjamin et toute l'équipe. Donc ça, c'est top. Et vous voyez donc les deux logos des deux boutiques. On va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Allez, je ne sais pas si j'ouvre bien dans l'ordre. Là, on a un jouet pour enfance. Il y aura des objets pour la petite enfance dans cette nouvelle boutique. Story Racing, un joli jouet en bois. Un petit bolide trop mignon de la marque de jeux et jouets française Janod. Il est indiqué deux dessus en référence à ma deuxième fille, à ma deuxième fille qui vient de naître et à la deuxième boutique. Super, donc une jolie boutique, une jolie voiture en bois. Après, on a une pochette Mary Mary, une pochette ananas, très sympa. Alors, où est-ce qu'elle est la pochette? Donc, c'est une trousse en toile pleine de charme en forme d'ananas et aux coutures dorées. C'est de la marque Mary Mary, direct from the US. Donc, ça vient des États-Unis. C'est absolument adorable. Là, on a un joli carnet de notes des éditions du Paon, basé à Nantes. Bon, c'est super joli, avec un toucan. Robinson, l'agence éthique des éditions du Paon. C'est adorable. C'est top. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est une carte, c'est ça? Une carte de la marque de Montreuil. Season Paper, doux, soyeux et envoûtant. Très très joli. Là, qu'est-ce que c'est? C'est encore un carnet, je pense. Carnet Tokyo Heat. It's the little memories that will last a lifetime. C'est ravissant. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup d'animaux, de fleurs. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un poster de la marque Monsieur Papier, tenu par deux jeunes femmes installées dans le Finistère à la pointe du Raz. Et c'est un phacochère. C'est adorable. Et bien un grand merci Benjamin pour ces jolis objets qu'on va pouvoir retrouver dans la boutique, donc les jolies choses. 39 rue Yves Kermen, donc c'est la suite, on va dire que c'est la petite sœur de la librairie Les Mots et les Choses. On va pouvoir retrouver des cadeaux pour faire plaisir à ses proches, ses amis. Voilà, des objets qui font du bien. Un grand, grand, grand merci, Benjamin. Et on a hâte de venir voir cette nouvelle boutique. Et on vous dit à bientôt. Et je pense que je ferai gagner à la communauté
un de ces objets parce qu'ils sont vraiment trop beaux. À bientôt sur Sully Gagné le Quai, au revoir!